Au fond, j'avais fait exprès d'aller au fond. Les yeux émerveillés, Camille découvre sa nouvelle main. Une prothèse en plastique, aux doigts mobiles, quelques réglages, et la petite fille prend vite de l'assurance. Comme ça, tu pourras venir. Yes! Elle me plaît beaucoup. Pourquoi ça? Bah parce que elle peut se plier, j'aime bien. Ça va changer que je pourrais attraper les choses, mais mieux. Et puis ça va changer un peu ma vie, un peu, on va dire. À bientôt 9 ans, Camille est atteinte depuis la naissance d'une malformation du bras gauche. Originaire de Saône-et-Loire, c'est au collège des Courlis à Nevers qu'elle a pu trouver ce moyen de dépasser le handicap, grâce à 9 élèves de 3e qui ont réalisé le mécanisme. Elle a une joie communicative et c'est merveilleux pour nous toutes. Ça a été fini, concret. Elle est contente et puis ça fonctionne, donc on est vraiment très content d'avoir fait et terminé ce projet. À l'origine, une association fournit les plans au Fab Lab de l'établissement. Les élèves et leurs professeurs de technologie ont ensuite travaillé depuis octobre sur le projet. On part du fichier, on met à la taille, on met à l'échelle. Après, il faut imprimer pièce par pièce. Et après, donc, on imprime, il a fallu assembler, nettoyer chaque pièce, vérifier les assemblages, câbler, revoir nos avec des élastiques qui cassent parce qu'ils sont mal câblés, parce que c'est mal fait. Donc, il a fallu faire tout ça. Enfin, moi, je n'avais jamais touché vraiment d'imprimante ou à part en a thermoformé. Là, ça, c'était cool, on a appris des trucs. Une aventure technique et humaine qui ouvre de nouvelles perspectives à Camille, avec même un bonus. En plus de la prothèse, les collégiennes lui ont créé des médiators adaptés qui lui permettront d'apprendre la guitare.